encore merci, M. Lys, de ce soir. Nous allons retourner ensemble avec nous le numéro 160, section française, à la gloire des dieux. Humblement vous servez, Seigneur, devant ta majesté. Thank you.
Prosternons-nous pour la prière. Seigneur éternel, notre Dieu puissant, Dieu fort et grand, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute éternité, assois-toi pour nous en grand joie, pour nous présenter la présence au Seigneur à un moment ça, uniquement pour nous vivre gloire, honneur, louange, adoration, exaltation que vous-même seul vous méritez. Depuis matin, nous sommes là, Seigneur, nous sommes pas manqués, bénis-nous. Et nous avons rendez-vous avec moi ce soir encore pour nous venir réellement dans bon, une grande adoration. Une belle atmosphère pour que tout le monde puisse être ensemble pour chanter gloire, louange. Nous ne sommes pas venus pour l'autre bagaille, Seigneur, uniquement pour nous faire gloire et monter vers nous-mêmes. Et en retour, grâce à descendre vers nous-mêmes. Et alors, bénis chaque monde qui est en position à soi, pour être capable de l'amener dans le service à Seigneur. Chacun de nous vient avec cœur, nous remplit avec joie, pour nous venir porter adoration au bas même Seigneur, comme une offrande agréable, comme un parfum de bonne odeur. Bénis chacun de nous, Seigneur, sûrement, il y a un pile qui est en route, qui a venu qui a précipité par eux pour qu'on va arriver. Permet que vous arriver sain et sauf éternel paix. Mais de tout ça pour faire toute belle pratique qui va chanter, tout groupe qui va chanter, tout va plein gloire de ton nom, cher Seigneur. Pas moi qui quitte le Saint-Esprit, envoie ça là à soi. Pas quitter réellement place pour le sac dans le diamantré, aucun côté pour lui faire ravage. Mais fait que le Saint-Esprit va capoter. Et pour qu'on va réellement travailler ça qu'on va faire, sain et sauf au nom de Jésus. Et non, on va glorifier. Merci en péché, papa. Nous comptons sur présence. Au nom de Jésus, pour qu'il travaille au siècle des siècles. Amen. Moi, venir devant toi, nous, pour m'allouer, pour m'allouer. Thank you.
La paix, la grâce de Dieu sur la paix de tous. Amen. La paix de Dieu, que va tout vivre ensemble avec moi. On a le livre de Luc, chapitre 1er, et on va dire 46, 26 à 46. À 45. Luc, chapitre 1er, du verset 26 à 45. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vieille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie que point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régna sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla à hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison d'Élisabeth, de Zacharie, et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressaillé d'allégresse dans mon sein. Heureuse ce qui a cru, parce que les choses que tu lui as été faites, que tu lui as été dites de la part du Seigneur, auront leur accomplissement. Ainsi s'arrête la lecture pour l'édification commune de nos âmes. Merci, Machita. Non, bah, adorer ensemble avec nous, il y a 126 sections françaises. Quand le vol de la tempête. Quand le vol de la tempête vient à son prix conscient.